Salut les gars, After Patch, glitch de l'appartement. Donc je vous explique. Il va être encore plus simple que d'habitude. Donc là, il va falloir que j'achète les appartements les plus chers. Donc là, je suis sur mon personnage 2. Il vous faudra deux personnages. Ok. Donc il faudra que le personnage 2 ait les apparts les plus chers. Le personnage 1, les apparts les moins chers. Donc là, je retourne, je vais changer de personnage. Je retourne sur mon personnage principal. Donc ça sera l'emplacement 4, 5, 6. Comme d'habitude, c'est les trois derniers. Il vous faudra les 6 appartements à acheter. Et sur les trois derniers, vous ferez le glitch. Donc là maintenant, je retourne sur mon personnage principal et j'achète les appartements les moins chers, 2 places. Donc n'ayez pas peur, si vous avez 10 véhicules dedans, ils seront mis de côté. Et quand vous rachèterez un 10 places, les véhicules reviendront. Perdez pas vos véhicules. Donc achetez vraiment les appartements les moins chers. Ils sont environ entre 25 et 30 000. Donc en gros, à la fin, on va essayer d'aller sur le personnage 2, ça va nous refuser. Ensuite, on va retourner en histoire et on va revenir sur le personnage 1, celui qu'on se sert de base. Et il va croire qu'on a les appartements chers. Il y aura juste à acheter des appartements pas chers. C'est juste ce système-là qui va changer. Donc ça ne sera pas comme avant, où on devrait vendre, acheter les appartements chers, revenir en histoire, revenir, les revendre. Voilà, là ils seront directement, donc c'est vraiment un gain de temps sur la manipulation. Donc désolé pour la qualité, les gars. Moi, le glitch, je ne peux pas le faire. Quand je me suicide, je finis à la caravane automatiquement. Il n'y a aucun message, rien. Donc je suis patché. Il y en a beaucoup qui vont pouvoir le faire. Donc moi, je suis un rare compte comme ça qui est patché bêtement, quoi. Donc là, sur ce compte principal, donc c'est le personnage principal, ok? Là, je vais acheter les appartements les moins chers. Et maintenant, je vais en mode histoire. Donc c'est là que le plus dur va commencer. Un gros merci à Chris, c'est Glitcher, qui m'a filmé la vidéo pour vous. Donc bon, la qualité, elle est pas terrible, mais c'est déjà un grand pas, les gars. Moi, je ne pouvais pas vous le faire, cette vidéo. Donc là, franchement, il a géré, le gars. Il a fait ça pour les abonnés, pour moi, et c'est énorme. Donc lui, en gros, il s'est fait 60 millions déjà aujourd'hui. À mon avis, il va passer la barre des 100 millions dans la journée. Donc il est level 20. Il a réussi, hein. Pas de pas réussir. Donc là, vous faites pavé tactile, le gros bouton. Vous allez dans le mode réalisateur.
Une fois que vous êtes dans Mode réalisateur, il va vous falloir aller dans Paramètres et vous allez faire balle explosive, pardon, non, je dis des bêtises, invisibilité. Vous allez mettre avec. Bon, une fois que vous réussirez ce glitch, vous essayerez sans. Apparemment, ça marche aussi sans. Donc déjà, faites-le comme ça, avec ces paramètres. Faites-le correctement. Donc là, on a mis invisibilité. Et ensuite, on a mis commencer le mode réalisateur. Donc le dernier écran du bas. Une fois que je suis ici, je refais dans les paramètres. Je vais enlever l'invisibilité. Donc là, je refais pavé tactile. J'enlèverai l'invisibilité. Et il va falloir préparer une activité récente. Donc vous allez dans vos activités récentes, comme ça. Et une fois que vous avez choisi l'activité récente, vous cliquez dessus. Et vous faites PS pour faire retour. Vous faites pas retour à Veyron, vous faites PS. Donc ce menu-là, il va rester. Dès que vous allez appuyer deux fois PS, hop, vous allez atterrir directement là-dessus. Donc là, j'enlève mon invisibilité. Donc je mets le curseur, hop, je fais carré pour valider. Donc là, l'invisibilité est enlevée. Là, si je fais deux fois PS, je reviens dans mon activité récente. Donc c'est ça qu'il faudra faire au bout d'un moment. Donc là, on est opérationnel pour le glitch. D'accord? Jusqu'ici, c'est facile. C'est maintenant que ça va un peu se corser. Donc là, je prends une grenade ou quoi, peu importe, faut que je me suicide. Je vais me suicider. Dès que j'aurai l'écran noir, je fais deux fois PS. Je serai dans mon activité récente. Voyez là, paf, l'écran noir, deux fois PS. Donc quand je suis dans l'activité récente, je vais la cliquer. Hop, vous voyez, ça me met un message. Vous acceptez le premier. Et là, il va avoir un écran. Vous voyez en bas, il y a un écran jaune. De chargement. Et là, je refais PS, je vais dans Internet, je décoche. Je reviens dans le jeu. Donc ça va m'emmener en mode histoire. Là, vous acceptez le message. C'est vraiment pas compliqué, les gars. Voyez là, vous allez être dans les nuages. Et vous avez vous avez le menu. Hop, on réapparaît en mode histoire. Une fois le mode histoire, je vais remettre Internet. Là, je vais aller sur mon deuxième personnage, pas le personnage principal, le deuxième, celui qui a beaucoup, qui a les appartements les plus chers. Donc vous allez avoir un écran noir pendant un moment, ça va vous refuser. D'accord? Vous ne pourrez pas y aller dans cette session avec ce joueur. Ça va vous ramener en mode histoire. Encore une fois, les gars, désolé pour la qualité, mais c'est fait vraiment avec le cœur. Un gros big up à Cyril, Chris. Donc faites un petit hashtag C-Glitcher pour ceux qui vont réussir à faire des millions. Franchement, ils méritent. Ils méritent. Hashtag C-Glitcher, les gars. Voilà. Donc là, on va sur le personnage planté. Un écran noir pendant un petit moment. Vous pourrez pas y aller sur celui-là. Et c'est là que le bug il commence en fait. Vu que vous avez essayé d'aller sur ce personnage qui a les trois derniers appartements chers, quand vous irez sur votre personnage avec les appartements pas chers, ils vont croire que vous êtes sur l'autre personnage.
Et c'est là que vous n'aurez plus qu'à vendre les appartements chers. Donc là, vous voyez, ça m'a refusé. Hop, je suis en mode histoire. Nickel. Là, vous fermez votre jeu. Vous spammez. Là, après cet écran-là, vous allez avoir l'écran noir. Vous allez spammer L1, R1. L1, R1. L1, R1. Maintenant, là. L1, R1. Pour avoir le réglage de la luminosité. Vous allez voir ça là. Donc comme vous aurez spammé L1 R1, là c'est bon, hein, vous n'avez plus besoin. Vous spammez ou vous restez appuyé. Ça fonctionne aussi. Donc là, Rockstar va vous mettre une petite pastille là. Vous voyez là, calibrage. Donc vous revenez pas si vous n'avez pas fait ça. Si vous avez raté, vous refermez l'application. Vous faites votre calibrage, mode en ligne, mode histoire. Pardon. Donc là, le glitch, il est pratiquement fini. Après, vous avez juste à refaire en boucle. À partir de racheter les appartements pas chers, revenir en histoire, pareil, vous suicider, préparer d'abord l'activité récente. Voilà, faites ça par étapes, vous voyez, au bout d'une ou deux fois, ça y est, plus besoin de vidéo, plus besoin de rien. C'est vraiment très facile. Là, vous allez avoir des millions dans la poche. Tous ceux qui ont des garages pleins, vous allez gagner plus qu'eux, les gars. Là, les garages pleins, quand tu en vends 2, 3 par jour, tu gagnes rien. Là, vous allez vous faire 1 400 000 à chaque manipulation. C'est en gros en 10 minutes. 1 500 000 sans investissement, sans rien. Allez, de retour en mode histoire. Là, je vais en ligne. Rockstar va me faire signer une charte. Voilà, je vous la jette online. Après, vous allez vous bouler, hein, pas obligé de faire une session pour amis. Et si vous voulez être tranquille, c'est bien. Voilà. Là, je retourne en mode online, d'accord? Donc je serai avec mon personnage principal, celui qui a les appartements les moins chers. Et là, j'aurai plus qu'à racheter encore les appartements les moins chers. Parce que là, comme par hasard, ils sont marqués comme les plus chers. Bon, en tout cas, les gars, désolé pour la qualité. Pour ceux qui ont pas, ils n'arrivent pas avec cette vidéo, ben, demain matin, vous en aurez une propre. Donc, je vais m'en occuper. Je vais vous faire une vidéo nickel. D'accord, les gars? Je vais me créer un nouveau compte. Comme ça, je l'aurai exprès pour les glitches. Il n'y aura pas de ça marche pas, de je peux pas. Voilà, je ferai un petit compte pour les glitches.
Il n'aura jamais vendu de véhicule, il aura juste l'argent qu'il faut. Et voilà. Donc je vais demander à mes collègues s'ils me donnent un coup de main pour les braquages. Je vais faire les braquages, après je vais dupliquer, donner le véhicule à un ami. Et je vais me faire les appartements et je vous fais la vidéo dans la nuit. Donc là, je suis en repos. Moi, je vous dis demain, bon 14 juillet. Profitez bien. Voilà. Les glitches, il y en aura toujours. C'est pour ça qu'on est là. Merci à tous ceux qui soutiennent. Donc là, regardez. Je vais racheter des appartements pas chers. Et vous verrez que le prix de ce joueur, à la base, c'était des 25 000 déjà. Alors, il y avait 13 000 déjà. Maintenant, il y a des grosses sommes. Je rachète les trois pas chers et je recommence. Je vais en mode histoire. J'irai dans le mode réalisateur et je refais comme au début de la vidéo. Bon, les potos, en tout cas, j'espère que vous allez être riches. Vous allez liker, vous allez vous abonner et vous allez mettre un petit commentaire et hashtag c'est glitcher pour ceux qui soutiennent. Grosse bise tout le monde. Ciao.